Bonjour Monsieur Soral, je voulais vous proposer aujourd'hui de réagir à la sortie du livre de Thomas Lind, anciennement connu sous le nom de Mathias Cardet. Et plus précisément, je voulais vous inviter à réagir à la version des faits qu'il y délivre. Il se présente comme une taupe, un indique, l'indique d'un indique même. Mais pour avoir écouté longuement et depuis un certain temps ce personnage, cette présentation me semble fallacieuse et m'interroge réellement. En quelques mots, adhérez-vous à cette version qu'il peint de lui-même? Ou ne serait-il pas plutôt un simple traître, un ancien adepte, d'abord convaincu au retournement de veste magistrale? Pensez-vous qu'il ait par le passé combattu avec sincérité et conviction à vos côtés? Ou était-il dès le départ un adversaire infiltré? Merci pour votre réponse. Oui, c'est un sujet compliqué. Alors déjà, j'ai mis un point d'honneur à ne pas lire son livre, même pas la moindre ligne, hein, parce que voilà, je vois pas pourquoi je l'avais pas fait avec le livre de ma sœur. Je le fais pas non plus avec ce livre-là. C'est une commande. On voit bien que derrière il y a Caroline Fourest et encore au-dessus Bernard-Henri Lévy. Donc déjà, ça dit tout, hein, édité chez Grasset. Alors, je vais vous dire, Mathias Cardet, je sais qui c'est depuis le début pratiquement, et c'est un peu de ma faute ce qui s'est passé parce que. Ce type m'a été présenté et j'ai très vite compris que c'était un mythomane, puisqu'il prétendait avoir fait des combats à main nue, etc. Et je connais suffisamment bien le monde de la violence physique et le monde des combattants pour savoir qu'il n'était pas un combattant. Mais le petit défaut que j'ai, comme je viens de la marginalité, c'est que les demi-dingos m'ont toujours amusé. Dieudonné a à peu près le même défaut d'ailleurs. Et que ce que j'ai sous-estimé, c'était sa méchanceté, je dirais. Et son côté systématique. Donc j'avais ce type dans mon entourage qui était un peu mythomane, mais qui semblait bien penser sur les sujets sérieux. Il l'a d'ailleurs démontré dans ce livre sur le rap. Peut-être qu'il ne l'a pas écrit lui-même, mais je veux dire, en tout cas, il était capable dans des conférences de le défendre. Et simplement, pour aller dans la psychologie de ce personnage, je pense que c'est un complexé. Qui est un jaloux et ce complexé jaloux le pousse à la perversité. C'est un pervers et c'est au départ un petit escroc puisque j'ai étudié son CV. C'est un type qui vit de l'escroquerie permanente, mais un petit escroc qui, à un moment donné, ayant réussi à atteindre mon entourage, alors est-ce qu'il a été envoyé ou est-ce qu'il a été contacté après parce qu'il était dans mon entourage, ce petit escroc a été contacté pour devenir un espèce d'espion et un destructeur. Et d'ailleurs, je rappelle que toutes les brouilles que j'ai connues depuis, notamment avec Salim Lahibi, Farida Belghoul, sont venues du travail qu'il a fait, c'est-à-dire en racontant à ces gens-là que j'étais un pervers, drogué, qui couchait avec des mineurs, de préférence musulmane pratiquante. Enfin, je veux dire, il m'a sali par tous les moyens, de manière à créer des dissensions dans ce qu'on appelait à l'époque la dissidence. Et il y est d'ailleurs parvenu. Mais ce que je remarquais, c'est qu'il est parvenu à persuader de ça des gens qui avaient très envie d'y croire pour, comment dirais-je, me trahir. C'est-à-dire qu'en fait, il a permis de séparer, je dirais, dans la dissidence, le bon grain de l'ivraie. Puisqu'il y a des gens qui ont refusé de gober ces énormités et d'autres qui ont fait semblant d'y croire ou qui ont eu très envie d'y croire parce que ça leur a permis de me trahir. Et là, je rappellerai Farida Belghoul, qui d'ailleurs me fait aujourd'hui un procès, Salim Lahibi, qui se vante d'avoir réussi à me faire condamner parce que lui est étrangement protégé alors que moi je suis soumis à toutes les vindictes de la puissance d'État. Et puis aussi d'ailleurs, de façon amusante, il a retourné deux, trois personnages de mon organisation à qui il a pris beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a un, ça lui a coûté 40 000 euros, l'autre 15 000 euros. Et donc, c'est un type qui nous a permis de faire le tri. Voilà. Et la réponse, elle est subtile. C'est un petit escroc qui est maladivement escroc pour des raisons de psychologie assez laides. C'est-à-dire que, comme souvent, ces gens-là, j'en ai connu beaucoup autour de la main d'or, sont des complexés qui génèrent de la jalousie. Et moi, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de moi, ce qui est assez compréhensible, hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'attire la jalousie et la jalousie des jaloux. Et ce complexe et cette jalousie génèrent de la perversité. Et lui, c'est devenu un professionnel de la perversité, c'est-à-dire un menteur professionnel, un escroc professionnel, dont la grande laideur, c'est qu'il escroque essentiellement des gens en état de fragilité. C'est-à-dire que c'est pas Arsène Lupin. Il ne vole pas des puissants. Il vole des mamans en difficulté. Il vole des types qui sont déjà harcelés par l'appareil d'État comme moi. Je rappelle que il nous a volé 50 000 euros à ER, puisqu'on avait financé
une boîte de rap qui devait s'appeler Bras d'honneur, ce qui était très intéressant, et faire du rap patriote. Et voilà, il a, au lieu de le faire, il a détourné l'argent. Alors peut-être aussi que il vole et il escroque parce qu'il n'est pas capable d'entreprendre. Il y a aussi cette dimension-là. Pour moi, ce type est un pauvre type, un mythomane, un professionnel, comme souvent d'ailleurs les mythomanes de l'escroquerie. Et je ne lui vois pas un grand et un bel avenir. Et puis après, bah, tout ça se passe avec, avec sa conscience, hein. Voilà, mais bon, j'aimerais pas être à sa place, quoi. J'aimerais pas être dans sa tête, hein. D'ailleurs, j'avais remarqué qu'il transpirait beaucoup, hein, ce qui est quand même la marque aussi des gens pour qui le réel est compliqué à assumer. Voilà, donc aujourd'hui, il est dans le compagnonnage de Caroline Fourest et de Bernard-Henri Lévy. Son livre, personne n'y a cru, et ça a attiré d'ailleurs des ennuis à Caroline Fourest, qui s'est fait éjecter du comité, je sais pas quoi, de Marianne. Donc, moi, le livre, je ne l'ai pas lu. Personne pratiquement autour de moi ne m'en a parlé. Donc, c'est une fois de plus un coup que m'a porté le système sous la ceinture, parce que le système ne peut faire que ça, hein. Jamais me répondre sur le plan du logo, justement, mais toujours recourir à ma sœur, à des traîtres, comme ça, des vendus, pour essayer de m'attaquer. Bon, ça fait partie du chemin, des souffrances à encaisser pour continuer à avancer sur le chemin que je me suis choisi. Et je vous dis, c'est quelque part, c'est un peu de ma faute, parce que Kardec, je l'ai laissé, proliférer à côté de moi, alors que très tôt, je savais que c'était un demi-mythomane et un demi-escroc, mais je pensais que c'était un escroc et un mythomane sympathique, alors qu'en fait, c'était vraiment une parfaite ordure. Mais j'ai du mal, moi, à imaginer que des gens puissent être aussi moches et dégueulasses. C'est quelque chose que je n'ai pas en moi. Et quand c'est quelque chose que vous n'avez pas en vous, vous avez du mal à l'imaginer pour les autres. C'est pour ça que j'ai pas vu venir non plus le Salim Laibi, ni Farida Belghoul, parce que je ne suis pas comme ces gens-là. Voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ma vie est plus intéressante, plus réussie, et que je suscite un respect beaucoup plus grand. Et que finalement, avec du recul, ma réussite est quand même beaucoup plus grande et éclatante que ces gens-là, qui sont quand même, malgré toute leur trahison et leur soumission, je parlerai même pas d'un Vincent Lapierre, sont quand même fondamentalement des ratés. Alors que moi, ce qu'on me reproche, et ce pourquoi on m'en veut beaucoup, c'est que j'ai choisi un chemin difficile, mais en plus, comme Dieudonné, je réussis.